Le jardin dans le ciel. Coucou Popo et Mita. Bonjour Mouk, bonjour Chavapa. Waouh, ça a l'air très beau là où vous êtes. Vous ne reconnaissez pas? Non. On est à New York chez une copine. Vous devinerez jamais qui. Mais si, bien sûr. Vous êtes chez Cerisa. Je reconnais son appartement. On est venu chez elle pour son anniversaire. Oh oui, je me souviens. Il nous est arrivé plein de choses aujourd'hui. On voulait vous les raconter. Allez-y, on vous écoute. Ce matin, on est donc allé chez Cerisa. Elle nous avait demandé de lui arroser ses plantes parce qu'elle partait en voyage. Où est-ce qu'elle est partie, Cerisa? Elle a juste dit qu'elle allait en vacances chez des copains. Oh! J'avais oublié qu'il était aussi grand, son appartement. Il est vraiment beau, mais... il y a un truc bizarre, non? Ce tableau? Non, ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas de plantes. Moi non plus. Bon, on n'a qu'à fouiller. Je commence par la cuisine. Hé, attends, il y a un carnet sur la table. Regarde. Pour Mouk et Chavapa. Oh, c'est nous. Chers amis, merci de venir arroser mes plantes. Vous les trouverez dans mon nouveau jardin, sur le toit de l'immeuble. On y accède par l'ascenseur. Les plantes sont sur le toit. Un jardin sur un toit? J'ai jamais vu ça. En pleine ville, c'est incroyable. Comme ça sent bon. Comme ça a l'air bon. Miam, miam. Bon ben, il n'y a plus qu'à arroser. Ça va être facile avec cette grande citerne. C'est bon? C'est bon. C'est parti. Mais bon, j'arrête l'eau. Attends, ça va pas. Je coupe l'eau. Ça y est. Excuse-moi. C'est pas ta faute. Et puis, ça fait du bien. Il fait chaud sur cette terrasse. Ah, ça doit se réparer comme un pneu de vélo. J'allais le dire. Colle. Colle. Rustine. Rustine. Doigt. Doigt? Bah oui, pour serrer la rustine contre le tuyau. C'est bon? Je peux ouvrir le robinet? Oui, vas-y. Fais attention quand même. T'inquiète, ça va tenir. Oh ben non, ça a pas tenu. Mais bon, il fait toujours aussi chaud. Je crois qu'on sait réparer les pneus, mais pas les tuyaux. Alors, comment on va faire? Hé, mais regarde! Qu'est-ce qu'il est beau, cet arrosoir! Attends, cette fois-ci, laisse-moi faire. Je le remplis à ras-bord, comme ça je ferai moins de voyages. Aïe! Dommage, j'étais presque sec. Mince, hein? L'an s'est cassé. On n'arrivera jamais à la recoller. Regarde, il y a écrit quelque chose en dessous. Joyeux anniversaire Cerisa, Popo et Mita. Oh là là, c'est un cadeau de Popo et Mita. Elle doit y tenir beaucoup à cet arrosoir. Il faut qu'on lui retrouve exactement le même. Chez toi avec les enfants, je vais sur la porte. J'ai trouvé une belle.
si on entrait, on sait jamais, ils vendent peut-être des arrosoirs. Sûrement, et des tuyaux d'arrosage aussi. Regarde, on pourrait aller dans ce magasin. Ils ont l'air de vendre de tout là-dedans. Ok, d'accord. Bonjour les enfants. Je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un arrosoir. Mais bien sûr, j'en ai justement un magnifique. Regardez, il est beau, non? Alors, il vous plaît? Mais c'est un arrosoir de poupée. Nous, ce qu'on cherche, c'est Ok, ok. Et sinon, un pistolet à eau. C'est beaucoup plus drôle pour arroser, non? Regardez. Ben, c'est que... Sinon, prenez des fleurs en plastique, c'est plus pratique. Il n'y a pas besoin de les arroser. Oui, mais en fait... on cherche un arrosoir, mais comme celui-ci. Magnifique! Je n'en avais jamais vu des comme ça. Je vais en commander un tout de suite. Et vous le recevrez quand? Très très vite, dans 3 semaines maximum. Mais c'est beaucoup trop tard. Hé, Mook, on dirait qu'il y a un tampon sous l'arrosoir. C'est le logo d'un magasin de jardinage. Votre arrosoir vient de là-bas. Il est à l'angle de la 42e rue et de la 3e avenue. Super! Allons-y! Merci monsieur! Zut, on aurait dû demander au vendeur comment y aller. Mais Mook, à New York, c'est facile de se repérer, regarde. Les numéros des rues et des avenues se suivent. On est dans la bonne avenue et on arrive dans la 10e rue. La 42e rue, c'est droit devant. Super, en route. Tu crois pas qu'on devrait s'acheter quelques cookies? Se donner des forces. On verra ça plus tard. Allez, viens. Hélas, il ne m'en reste aucun comme celui-là. Avec tous ces jardins sur les toits, dès qu'il fait chaud, on est toujours en rupture de stock. Oh, zut! Dans cette dimension, je n'ai plus que celui-ci. C'est le même, mais en bleu. Tant pis, on le peindra. Ça va pas être facile. Mais j'y pense. J'ai vendu mon dernier éléphant vert à une pâtisserie. Ils s'en servent comme décoration, ils mettent des sucettes dedans. Je suis sûr qu'ils accepteront de vous l'échanger contre celui-là. Ah oui, ce serait génial. Votre pâtisserie, elle serait pas sur la 10e rue par hasard? Ça alors? Comment t'as deviné? Oh, une intuition. Sacré chat, papa. Qu'on n'a pas eu le temps d'arroser à cause de la pluie. C'est super que vous ayez trouvé le même arrosoir. Mais qu'est-ce que vous allez faire de celui qui est cassé? Regardez ma super idée. J'ai mis du coton à l'intérieur et j'ai planté des fausses tulipes dedans. Waouh, c'est joli! Ça fera un super cadeau pour Cérissa. Oui, ça manquait quand même de fleurs dans son appartement. Et en plus, celles-là, elles n'ont pas besoin d'être arrosées. J'ai hâte qu'elle voie ça. Merci, Mook et Chavapa. C'est super beau. Cérissa! Mais alors? Ton voyage, c'était chez Popo et Mita? Eh oui! Je voulais vous faire la surprise. Et nous aussi! Merci aussi pour l'arrosage. Je suis désolée que ça vous ait pris autant de temps. Mais si vous aviez lu le carnet jusqu'au bout... Hein? Ne vous servez pas du tuyau, il est percé. Ni de l'arrosoir éléphant, son anse est cassée. Il y a un autre arrosoir sous la citerne. Mince, tout était écrit là. Bah oui, j'allais quand même pas vous laisser vous débrouiller tout seul. Je vous avais même préparé une surprise. Regarde la suite. PS, dans la cuisine, je vous ai laissé des cookies. On a